Rivolo, qui est directeur des marchés industrie chez Atalian. Alors, quel est votre rôle dans la direction industrielle chez Atalian ? Bonjour. La direction industrielle d'Atalian est composée de 7 personnes diffusées sur l'ensemble du territoire français. Ses missions principales sont en relation avec l'exploitation, d'organiser, de préconiser l'ingénierie et tous les moyens techniques, moyens nécessaires pour exécuter le cahier des charges des clients. Oui. Mais également s'assurer l'animation du réseau avec les différentes personnes qui vont fidéliser le partenariat du client. Gérer toutes les activités qui vont être sur les KPI, donc ce qu'on appelle les indicateurs qualité, sécurité, et tout le fonctionnement de l'organisation d'un chantier industriel. Et quels sont vos secteurs d'activité, vos référentiels ? Eh bien, nous sommes présents sur plus de 140 sites en France, sur des usines généralement variées, la verrerie, les cabines de peinture, l'aéronautique, l'automobile, la logistique, mais également les secteurs nucléaires. Il faut savoir que ces usines sont des endroits très spécifiques pour lesquels il faut avoir des certifications, donc des ISO, comme on connaît, mais également des habitations comme le MAS ou le CEFRI pour pouvoir intervenir dedans. Oui, d'accord. Et alors, comment est-ce que vous répondez aux besoins, justement, des clients industriels ? Ben, nous sommes capables d'apporter auprès de nos clients des solutions pour les libérer de leurs contraintes d'activité liées à tout ce qui est logistique et maintenance. Notre but, en fait, est d'apporter de la souplesse pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Donc on va effectivement mettre en place des actions pour pouvoir les libérer sur l'activité, s'adapter à leur variabilité de fonctionnement et également gérer l'ensemble de l'activité sans les perturber sur leur cœur de production. C'est pour ça que les entreprises, elles cherchent des solutions d'internalisation. C'est parce qu'il y a trop de contraintes au quotidien. Oui, et puis il faut noter que les entreprises et les industries sont fortement soumises à une concurrence très rude. Oui. Et cette concurrence très rude nécessite qu'on puisse les libérer des contraintes qui sont liées hors de leur cœur de production. Ils recherchent effectivement généralement l'activité du cœur de métier et nous sommes là pour les aider justement à la libérer des contraintes qui sont liées aux métiers annexes et connexes de la production. Il y a d'autres pistes justement de développement de prestations de services dans les entreprises ? Bien sûr, nous intervenons déjà sur le nettoyage, donc le nettoyage spécifique qui concerne tout ce qui va être l'activité du cœur de métier, comme la cryogénie, la très haute vapeur, la THP, ce qu'on appelle la très haute pression, mais également la logistique en collecte des différentes matières premières en amont et en aval de l'entreprise, et la gestion de leurs magasins, des fournitures, tout ce qui est lié en fait à l'activité de nettoyage industriel avec des moyens spécifiques. Oui, donc forcément, il y a des perspectives assez énormes, finalement. Oui, c'est très, très, très important, car l'entreprise veut véritablement se concentrer sur son cœur de métier. Et notre rôle, à nous, c'est de les accompagner et de pouvoir leur donner des solutions optimisées de l'ensemble des activités de logistique, nettoyage et maintenance qu'ils souhaitent externaliser. Quand vous dites les accompagner, j'ai l'impression que vous les accompagnez aussi hors de France. Vous êtes aussi à l'étranger ? Oui, exactement. Nous avons un panel européen et international, et nous sommes capables de faire des accompagnements sur l'ensemble des clients, notamment sur un cœur de métier spécifique, mais également sur une globalité de marché FM. Pierre Truvelot, merci beaucoup, directeur des marchés industrie chez Atalian, et bon développement donc, bonne visite extraordinaire. Merci. À très bientôt, bonne journée.